elle y était. Oh, ça fait 2 heures qu'elle est dessus. Quelle porte, mon ami. Ah, voilà, vite. Eh oui, elle est là. Voilà. Voilà, ça c'est du bon boulot. Voilà, je te le dis, moi. Fait du bon boulot, ça fait quand même 2 heures qu'elle est pendue. Je crois qu'elle est venue seule sur la plage. C'est la mienne. Tu vois. Ah, il vient nous voler nos poissons, t'as compris ou pas? Ça va, Cédric? Ça va, Jean? Ah, ouais, putain, faut parler fort ici parce que. Ça fait cher le poisson, hein? Magnifique! Oh, il est beau! Oh, il est beau! Oh, il est beau! Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau! Sans déconner, il est beau! Ah, ouais! Ah, ouais, 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 ouais! Si je te demande la prochaine fois, j'achète un Rimini, tu me casses la bouche! Et promis! Tu me casses les 3 dents de devant. Là, tout ça, là, je te casse toi. Comme ça, quand je me regarde dans le miroir, je me dirai la prochaine fois, j'achète. Pas de Rimini! Magnifique. Allez, santé! Santé! Envie de pleurer. Dégoûté. 25 euros le gobi. T'as vu qu'ils se mettent à les vendre maintenant, qu'en dessous aussi? De quoi? Tu vends les gobi? Non. Vivant! Oh putain, c'est parti! La touche de la mort! Oh putain! Hein? C'est la 24! Voilà, une oblade. Quelle misère. Bon, on aura quand même un beau coucher de soleil. Malik, Malik, ta canne. Viens de moi, hop. Voilà, le no kill. Oh, qu'est-ce qu'il y a, la fog d'un coup là? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est pas si attraper la barrière. Eh, faut mouliner vite. Eh, tiens, un peu plus rien, non?
Et merci la barrière. Et c'est une plage de pro là. Hein. Après tu vas arriver, tu vas voir. Tu vas t'habituer après. Il est libre Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre Max. Il est libre Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ben voilà, au bout de 4 heures d'attente, ça y est, la touche. Rien. Eh ben fausse joie. Fausse joie. Gentil. Il n'est même pas touché. Elle n'avait pas terminé son affaire. Ah putain, oui, tu l'as éclaté en haut. Elle n'avait pas terminé son affaire. Il repartait lequel? Ma foi. Tant qu'à faire. Elle n'avait pas terminé. Il nous reste plus que ça. Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est beau ça, des petits cannelés, plus mes os. Tape, dedans. Tape, je mange tout moi, j'emporte le reste à la maison. Hein. Et voilà. La recette de Madame Patounette. Des petits cannelés maison. Merci Patounette. On va se régaler. Putain, en plus c'est bon. Ben évidemment que c'est bon, si je te le dis. Eh ouais, je croyais pas, tu m'as dit que c'est ta femme qui les a fait, je croyais que c'était pas bon, moi. Bah, t'imagines, tu viens si tu filmes, ça, c'est... Avec le petit café, ma foi. Eh non, c'est bon, je rigole, oh là là. Putain, ces femmes, elles se vexent vite, alors. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, regarde comme c'est beau, putain. Ben, le sais avec le petit crabe. Oh putain, c'est bon pour de bon. Oh putain, vous pouvez. Bon là, il est pas loin de 1h du matin. Et pas une seule touche. C'est la misère noire. C'est la fin du monde, on va tous mourir. On reste encore 4 ou 5 heures et après on s'en va. J'en ai marre. Maman. Je veux une touche. Et ben voilà, pour finir la soirée, voilà. La longue. La longue.
Voilà. Il donne le temps de départ. Voilà. Fin de soirée, une longue. À pleurer. Bon, on n'a pas remonté toutes les cannes, à mon avis, on doit y avoir droit tous. Une chacun.